le schéma de développement économique fait de la région le chef de file de l'économie auprès des entreprises, fait donc, et c'était une priorité de Laurent Wauquiez, de l'emploi, la préoccupation principale pour le nouvel exécutif de la région. Et donc nous avons lancé une phase de concertation sans précédent. Aucune région en France n'a conduit une concertation aussi large entre le mois de février et fin octobre, en ayant rencontré, en se déplaçant, c'est-à-dire la proximité, l'ensemble des départements, des établissements publics de coopération intercommunaux, mais aussi les chefs d'entreprise, le monde économique, les chambres consulaires, les pôles de compétitivité, les clusters, bref, tout ce qui fait la richesse et tout ce qui fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes la première région économique et industrielle de France. Nous arrivons au terme de cette phase de consultation et nous voterons le 15 et le 16 décembre prochain en séance publique à la région. Le président Wauquiez présentera ce qui sera la feuille de route pour la région, mais pas seulement, aussi pour les départements, pour les EPCI, et donc avec des retombées concrètes pour les chefs d'entreprise sur l'économie et sur l'emploi pour les 5 années à venir. Nous avons une chance extraordinaire dans cette région. Nous avons à la fois des grands noms, comme Michelin, comme Merieux ou comme Somfy, des grandes stations de ski, les eaux minérales qui apportent à travers des entreprises une renommée internationale. Couplés à ceci des bassins géographiques extraordinaires, là aussi, qui sont les grandes destinations touristiques au monde, et puis des notions de filière, avec cette région qui est aussi une des premières régions de sous-traitance industrielle dans la mécatronique, dans la plasturgie, dans l'électronique, dans les nanotechnologies, dans l'aérospatiale. C'est un petit peu ce mariage de la start-up, la PME-TPE à l'ETI, jusqu'au grand groupe que nous devons réussir dans le SR2I. Et la région y va y apporter toute sa force dans l'innovation, dans la recherche, dans le développement international, dans l'accompagnement à la formation et l'anticipation des besoins de formation de ces entreprises, encore une fois qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises. Et puis nous allons revenir, c'est une volonté de Laurent Wauquiez, dans les aides directes aux entreprises pour accompagner le développement, parce que le développement, c'est le maintien de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.